suis pas le gars de In Flames. Que j'ai pas de... C'est pas grave, t'as quand même de la bière sur le bras. Non, 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 je parle à ta main. Sur le bras, ouais, sur le bras des autres. Ouais. Bonne chance, là. Surtout que les autres, maintenant, les coupons, ça marche, ils donnent 3 coupons. Là, t'arrives au bar, tu sors un coupon, tu dis une bière, s'il vous plaît. Là, la fille, elle se penche pour ramasser la bière, tu mets le coupon dans tes poches. Là, elle se relève, elle te donne la bière, puis tu t'en vas. Fait que ça fait 4 bières que je bois sur le même coupon. Okay. Rock on! Rock on! Ah, lui, il veut sa caméra. C'est... Viens, il va t'expliquer. Je vais te montrer ça, viens ici. Thank you.
Là, depuis le 11 septembre, là, ça va mal, faut s'entraider. Ils disent de donner son sang, hein? Faites pas ça, c'est un asti de crosse. Ils vont vous vider de votre sang, ils vont vous remplir avec du sang infecté. Méchante cochonnerie. On a écrit une chanson là-dessus d'un gars qui va donner son sang puis qui finit sidatique. Ça s'intitule Transfusion sans vie. T'es au Poliwag en pleine nature, si, bon, c'est la première fois qu'on voit ça.
Yeah! Ok, une petite chanson qui traite du monde qui nettoie pas leur appartement pis qui vient bravoir des coquerelles dans la maison. Des coquerelles. Là, t'es voué plus parce qu'à un moment donné, ils te shootent un stuff qui te rend aveugle. Ils deviennent de plus en plus grosses pis t'es voué de moins en moins. Ils finissent par te bouffer. C'est l'histoire de la vilaine locuste. Sur nos racines québécoises qui raconte l'histoire de nos ancêtres, les patriotes qui se révoltent aujourd'hui en 2002, qui se tournent dans leur tombe pour de vrai, puis qui sortent de leur tombe puis qui reviennent en genre de zombies là, pour nous venger contre toute cette petite gang d'anglais qui vit par là-bas là, au bord de la montagne. Excusez si je choque là certaines personnes ici, mais c'est ça qu'ils méritent. What did you say?
I said fucking stupid bastard. Et ça s'intitule Le retour des zombies patriotes. Pas.
les bandes, ils jouent 35. Ok, non. Vu qu'on est à Montréal et qu'on est dehors, on a décidé qu'on allait faire un hommage à une de nos jeunesses d'enfance, à nous autres ici qui est Plume la Traverse. Hein? Tout le monde aime Plume la Traverse. Je sais pas pourquoi. Fait qu'on a décidé de faire une chanson de Plume la Traverse, pas nécessairement la plus connue. Si vous la connaissez pas, mange la marde, on s'en calisse. Si vous la connaissez, ben tant mieux. Allez pouvoir chanter avec moi. Léon, le caméléon. Thank you.
limite de l'intérieur. Pour qu'à chaque fois qu'on vous ressemble, je m'en prie tant là de cette lumière. Ce village de souffrance et de l'infirmier est un guérison là de ce qu'elle va voir. Appelle-moi le travail. Presque fini, nous autres, là, alors? Non! Hey, saviez-vous que le Pollywog aussi, c'est presque fini? Non! C'est le dernier Pollywog de l'histoire du Pollywog. Chou, tout le monde, gay, bouh! Bouh à tous les commanditaires qui veulent pas embarquer, bouh! Rebouh à tout le monde qui sont full cash, esti, pis tu connais bien nous autres. Vous pourrez bien nous donner, esti, un petit rien, pis ça ferait notre affaire. Fait que c'est le dernier Pollywog, on va faire nous autres un avant-dernier à tout, question de festiver la situation. Ah, tout ça, le dernier Pollywog, ça me laisse un arrière-goût. On va vous en faire une tourne d'arrière-goût. Yeah.
Yeah.
de fusion jazz. Chaud. Puis mémorable parce que peut-être un des derniers entraînement. Peut-être un show d'adieu. Donc. Oh, controverse ici? Mémorable. Non, pas vraiment controverse. Ça dépend à qui se parle. C'est le fun. Okay, c'est un bon show. Merci. Moi j'ai eu du fun. Moi c'est juste. Il y a juste cette semaine par les enfants en tout. Ça va être encore en ça. Moi, je t'entendais pas assez. Moi, j'attendais mon gars dans le prêt, j'avais du fun. J'entendais juste. Ouais, ben quand t'allais de ton bord, t'entendais juste le temps. Là, une fois, j'étais là, qu'est-ce que je suis rendu? Je suis dans le champ, après, c'est une suite. Non, non, j'étais, moi, je t'attendais, je te suivais. J'ai quand même donné un bon choix. Non, j'ai pas trop bougé, mais j'ai essayé comme ça. Ah, mes impressions, c'était le fun. J'ai survécu à la chaleur, le bonheur, tout. Ça s'est pas bien passé, on entendait. Les commentaires, M. Barret? Hein? Les commentaires, M. Barret? Ah, il fait grand, là, c'est aujourd'hui. Je sais pas si t'as remarqué, c'est grand au bout. Des fois, c'est petit, là, c'est grand. Il fait beau. J'ai aimé ça, c'était le fun. J'espère que tout le monde s'est bien amusé. J'espère que c'est intéressant. Oui! Ah, oh, ouais, c'est le fun. C'est cool, man. C'est beau, esti, la bière est bonne, gratis. Tout est beau, man. Parce que. Il a pris une photo de moi, tout. Ça
C'est bon. C'est bon, encore? Oui, vite. Attends, monsieur caméra. Je te suis. Là, tu me gênes, là. Là. Ah, Monsieur Todorov. Oh, not to him. How are you? Fine. Okay, you can stop. Est-ce que t'as vu le show de Démence? Non, ça, je suis arrivé trop tard. Hein. Ah. C'est smooth, hein? Smooth? Ouais. Ouais, ouais, c'est petit. La smooth to drive today? Ouais. C'est-tu filmé? There you go! Entre-toi, ta chaîne! Un commentaire? Mais ça va des décors, mais votre chose d'autre, on est bien d'allure. Thank you! On s'envoie le 16. Le 16, la Casaville. Ciao! Hey, le fucker! Est-ce qu'il est beau, lui? On est parti une coupe d'affaires dans le char.